inside my own world of make-believe. Coucou à YouTube et ses viewers, c'est le Creeper 13. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Jorius. J'appuie sur tab, yes. J'ai pris un screen, d'accord, c'est très sympathique. J'ai clairement un animateur de colo bof, mais c'est pas grave. Un peu. Donc voilà, Jorius, et j'espère que vous allez bien, surtout pour ce troisième et dernier épisode. Non, je déconne. Troisième épisode de Pepsi Creep. Ah ouais, c'est que ce soit le dernier. Non, j'espère pas. Normalement, le deuxième va sortir lundi. Ouais, parce que là, on est avant la sortie du deuxième. On aime bien prendre des trucs d'avance. En plus, j'en prends d'avance parce que je joue aussi. D'ailleurs, par rapport au rythme, j'avais pensé. En fait, un tous les lundis, techniquement, au moins c'est un rythme auquel je peux me tenir. Mais bon, ça me saoule un peu d'attendre à chaque fois une semaine pour pouvoir publier un épisode. Donc, j'avais pensé un tous les lundis et jeudi, mais celui du jeudi n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, si j'ai pas d'épisode pour le jeudi, voilà. Jeudi, c'est facultatif. Voilà. Donc, c'est lundi 17h et jeudi 17h, mais pas toujours. Dans tous les cas, c'est tout le temps 17h. Et donc, voilà. Deux petites secondes, je regarde quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je vais vous montrer tout ce qui a changé un peu, hein, parce que... Antoine, je peux demander un service? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me passer 4 d'or, s'il te plaît? Même pas, en vrai. Mais t'as pété un plomb, gros, y'a de l'or partout, écoute-toi. Mais vas-y, c'est bon, j'ai fini d'or, je farm, c'est bon. Non, mais... Donc, je vais vous montrer un peu tout ce qui a changé, comme vous pouvez le voir, ça n'a rien à voir. Alors, déjà, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Au fond, j'ai fait un tout petit lagon. En fait... J'étais en manque de bouffe totale, on va passer plutôt. Et donc j'ai fait un petit lagon pour pouvoir pêcher. Donc voilà, dans ce lagon j'ai mis l'enclume, la table d'enchant, les coffres, quelques coffres. Oui, vous avez bien vu, on a des diamants. Bon, un maximum d'or, hein, c'est de l'or. il est que au stade des diamants. Et de la redstone. Alors oui, j'ai la diamond pickaxe. Ici on a pas mal de coffres. Ici en bas, j'ai bien creusé. Il est même pas. Bref, j'ai mis un compteur de mort parce que c'est quand même l'essence même des Pepsi. Alors, hein. Je peux expliquer deux secondes. Attends. Et je vais. Les anecdotes. Moi. De... Attends. Non. Les anecdotes de. C'est que Jogi, c'est déjà à la Netherite. Il va pouvoir avoir une armure de Netherite. C'est très sympa. D'ailleurs, enfin, ouais, je vais juste chez toi. J'ai fait de retourner chez moi pour faire cuire mon or. Dégage. Là, je vais juste cuire mon or. Tu dégages. Je vais juste cuire mon or. Juste mon or, s'il te plaît. Sors. Je vais le faire cuire. Au revoir. Je vais le faire cuire mon or. Au revoir. Donne-moi mon or alors. Non. Connard, je veux juste te faire fond. Non. Tu viens de me prendre un coffre. Hein. Sors. Je vais chez toi. Attends. Casse-toi. Ok, je veux. Mais je veux juste me faire cuire mon non, or. Non, non. Tu vas chez toi. Bon, comme vous voyez, il a trouvé chez moi. Et donc, ben voilà pourquoi je voulais pas qu'il trouve chez moi. Parce que dès qu'il est chez moi, il est chiant. Il essaye toujours de passer, de venir et tout. Ben, voilà, c'est très relou. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Pourquoi t'es pas retourné chez où toi ça... Maintenant, j'ai Link. Où ça là-bas? T'es arrivé d'où? Parce que je viens de chez Thomas, j'étais là-bas quand tu m'as inscrit. Et pourquoi t'étais chez Thomas? Mais parce que je vais rendre visite à Thomas, je m'en prie. Ok. Ah, il pense vraiment pourquoi il y a des choses qui se font à chier. Triste. Est-ce que je peux avoir du bois, Antoine? Non, dégage! Débrouille-toi! En gros, ce mec, il me dit ouais, je me fais chier, je sais pas quoi faire. Il me demande toutes les 5 secondes quelque chose. Mais c'est parce que ça fait une heure que je farm. T'as qu'à encore plus farmer, tu sais quoi. C'est bon, t'as une armure en full diam, c'est tout. Il est full diam parce qu'il joue H24. Tous les matins, il m'envoie un message en mode viens ouvrir le serveur. Dégage. Putain, mais je veux juste me crafter un truc. Non, tu rentres chez toi. Mec, c'est pour le crafter devant les abonnés. C'est à même pas 100 blocs derrière. Pour le crafter devant les abonnés. Non, même pas en rêve, dégage.
J'en ai marre de ma vie. Oh. Il me fait maltraiter. Donc, parce que là, on perd déjà du temps à cause de... On va pas dire qui. Ça, on va tourner deux épisodes, donc on s'en bat les couilles. Non, on va pas tourner deux épisodes. Putain. On va... aujourd'hui, on va faire la base. Incroyable. La paix. Je vais me faire quelques bâtons. Je suis en pénurie de bâtons. Putain. C'est incroyable. C'est vrai, il a osé me frapper alors qu'il a qu'une pièce en gems. Ouais, ben. Alors que moi j'ai eu bientôt une pièce en netherite et là tu vas avoir peur, mais. En tout cas, t'as pas riposte, que je sache. Donc. Bon, par contre, je vais venir chez toi pour montrer ma pièce. J'ai oublié de faire ça. J'ai tellement bataillé pour l'avoir. Dors, profite-en, dors. Oui, parce que maintenant j'ai un. Non, mais faut. Enfin, dors. Non, mais je peux pas, je suis pas chez moi. Là, t'y es presque. T'es en train d'y aller chez toi. Non, je suis allé chercher du bois. Oh oui! Place 3 en netherite. Oh là 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 là, j'ai trop le style. Ah, j'ai trop le style. Là, il va revenir et regarder. Et que j'ai un place 3 en netherite. De combat, il pense au putain de place 3 en netherite. Parce que sinon, il va nous saouler pendant tout le reste de l'épisode. J'ai trop le style. Waouh, c'est incroyable ce place 3 en netherite. C'est le netherite qui on le rappelle. À des vertus. Bon, du coup, attends, faut raconter l'anecdote quand même. Alors, en gros. Rentre chez toi déjà, parce que moi là je vais. Ouais, rentre chez ta mère. C'est ça. Attends, juste d'abord, j'explique ce qu'on va faire dans l'épisode. Donc, déjà, on va faire la maison, donc là où on va faire avancer comme ça. En fait, la maison, genre, on va s'arrêter ici. Ça va être un truc qui va sortir du mur. Ici, on va faire une petite terrasse qui sort. Et donc, ici, ça va être la pièce du Nether. Et d'ailleurs, on va aller dans le Nether. La pièce du Nether parce que c'est plutôt rapide à faire. Hop, d'accord, vraiment méchant. Bah eux sont vraiment méchants. Bon, pourquoi j'ai 6 morts? Alors, j'avais 0 mort de base, hein, avant qu'ils mettent ce putain de compteur. Le problème, c'est qu'en fait, vu que moi je suis sacrément con. Non, en vrai, non, c'est pas parce que je suis con. En vrai, je pouvais pas le savoir. Je pouvais pas le savoir. En gros. T'es quand même sacrément con. Je suis allé à la couche 9 du Nether et je croisais en ligne droite. Sauf que le problème, c'est que la lave, elle met à peu près 10 secondes à s'en aller de toi quand tu es en feu. Alors que normalement, ça met 5 secondes. Et du coup, je meurs de la lave. On est dans le Nether. Et du coup, après, je me souvenais plus où j'avais mis mon putain de trou où j'avais creusé pour mes galeries. Et du coup, j'ai dû galérer pendant à peu près 15 minutes à retrouver mon stuff. Et je me suis dit, putain, il y avait un bloc de Netherite. J'en avais mis 2 en sécurité. Donc il m'en manquait 2 et 1. Et un bloc de Netherite, sachant que c'est l'info 4. Et vu que c'est méga rare, ben voilà. Bon, et du coup, au final, j'ai retrouvé le bloc et après 6 morts. Et après, je suis remort. Et j'ai à peu près mis 3h30 à trouver le dernier bloc de Netherite. C'est pour ça que je suis si fier de ce plastron. Waouh, incroyable. Ouais, c'est vrai, on a fait un live. Ah oui, parce que j'ai oublié de le dire. D'accord, j'ai bugué. Ah Antoine, sur le corps, j'ai plus 3 de robustesse, plus 8 de points d'armure et plus 1 de résistance au recul. Attends, c'est super mal, c'est bon. Antoine. Quoi? J'ai plus 3 de robustesse, plus 8 de points d'armure et plus 1 de résistance au recul. Je sais. C'est trop bien. Je prends pas de KB. Yes. Je me cache parce que j'ai plus. Parce que j'ai pas avoir une solidité là-dessus. Ah, je peux avoir un P2 direct. De la Crimson Steel. J'aimerais bien avoir une solidité dessus. Donc, du coup, tu peux dormir, t'es chez toi? Oui, je suis chez moi. Dors. Oh là là. Donc, la maison, je pense qu'on va surtout l'avancer. Je sais pas si on aura le vent. Je crois qu'Antoine, il y a une commande d'ailleurs pour faire passer le jour où en gros. S'il y en a qu'un qui dort, ben. Non, alors c'est pas une commande, c'est un plugin. Et donc, tu te doutes avec le genre de serveur que c'est. Plugin, même pas en rôle. On va pas installer le plugin, quoi. Exactement. Ok, je repars avec okay, l'IP. Non, alors on va commencer. Alors, la pièce va pas être très grande ici, parce que c'est une première pièce, c'est un peu une pièce test, on va dire. Et donc voilà, en fait, le but de toutes ces pièces, ça va être de casser. Putain, j'en peux plus de ces retours Windows. Ça va être de casser le moins possible la montagne et plus de s'adapter à sa forme. Donc là, le plafond il va être à ce niveau. Donc là, hop là. Yeah. Ici, ça va être yeah. Le maximum. On va surtout faire des petites portes.
ça c'est... Mais mec, mon armure... Alors ouais, parce que j'ai même pas expliqué, tant que vous connaissez pas ces portes et tout. C'est les nouvelles portes avec la 1.16. Des nouvelles portes, attends quoi? Sont, je trouve, très très stylées. Attends, hein. deux secondes. Bah, c'est les portes avec les bois du désert. Quoi? Il y a des nouvelles portes? Et oui, mais il y a le bois du désert. Putain, mais... Donc, j'ai passé toute ma vie dans le désert, je sais même pas ça. Attends. Plus, les deux, elles sont très très belles. Elles sont belles parce qu'elles sont très linéaires. Et... Bon, prochaine étape, c'est d'avoir l'épée en... Donc faut savoir, la terrasse va venir ici, donc ici on mettra un petit escalier de la famille. Ah, attends, je sais pas si... Est-ce qu'il y a des nouveaux escaliers? Oui, il y a des nouveaux escaliers. Vous allez voir qu'Antoine, il va rager, qu'on va devoir faire la même chose que moi. Mais non. Enfin, si. Rageux. Bon, enfin, en attendant, on va mettre de ranger, mais a priori, ça devrait venir jusqu'à ici. Enfin, s'il a envie d'avoir une armure une armure cheatée, finalement. Bon, une armure, en effet, très cheatée. Donc là, ce que j'avais pensé pour l'architecture du bâtiment ici, on va mettre du bleu, du bois bleu. On trouve du bois bleu. Et donc après, dans les angles, on mettra... Voilà. Ici... Je suis ému, c'est la première fois que je suis dans le The Creator. Ouais, on s'est mis dans un channel. Donc, pour savoir, voilà, là-bas c'est le portail de Thomas. Pour savoir où est-ce qu'on va avoir du bois bleu, il faut qu'on aille vers le portail de Thomas. Et bon, c'est très très dangereux, comme vous le voyez. C'est pour ça qu'il faudrait les pousser. En fait. Alors, j'ai une question maintenant. Ouais, alors ça c'est les... Comment on répare l'armure en isorite? C'est une bonne question, je n'en ai pas. Est-ce que c'est avec 4 blocs de nether, avec une brique ou avec juste des fragments? Je sais pas. Faut aller. Si c'est avec une brique, je suis en pédale. Ouais. Alors, le problème des piglins, c'est qu'ils t'attaquent si t'as pas une armure en. C'est des connards, les piglins, ok? Ouais, c'est une manière de dire. Des fils de. Ok. Alors, moi je me balade dans ma forêt. Oh, ils viennent tous m'attaquer. Merde! C'est la story. En vrai, je suis content maintenant d'avoir mon armure. Beaucoup. Mais... Je suis content d'avoir mon armure. Oh, lui bon. Il est vénère. Ça a quand même dû me coûter à peu près toute mon affaire. Bon. Ça m'a coûté toute mon affaire. Je vais juste prendre de la terre pour le sol. Et là, je pense que je vais retourner miner. Les petits sont pas agressifs comme ça. Ah si. Ah si. Ah, les petits sont occultes à race. Mais si. J'ai l'impression. Je veux dire, tu sais qu'il y a vraiment les petits, moi, ils m'ont pris. Merde, j'ai plus de bouche. Ça va partir à cause de. Pensez à Joris qui spawn en plein milieu. En fait, je spawn dans leur maison. J'ai relink les portails en les remettant au bon endroit. Je spawn dans. Bah, après, je vais pas dans les autres. Ok, au revoir. Oui, c'est vrai. Putain, mais c'est une blague. Mais dès que je veux pas de bouge, j'en croise. Attends, comment récupérer une nid d'abeille? Comment récupérer. Prendre de la terre. De abeille. Bah, on va récupérer un peu de tout, c'est pour faire un peu de déco. Intervention rapide, non mais. Des petits champignons. Ah oh, putain, il faut une. Ils sont plutôt très lents. Et c'est pour ça que je vais me bouger pour aller chercher du bois bleu. Vous voyez, le bois bleu, c'est trouve dans un endroit totalement différent. Je crois qu'Antoine, le karma est. Surtout un endroit où il n'y a pas de piglins, donc ça c'est cool. Vraiment, le karma est contre moi. Il a décidé de me casser. Pourquoi il est contre toi? En fait, tout à l'heure, j'ai cherché pendant une heure un loup pour l'adopter. Ouais. J'avais des os sur moi. Et là, maintenant que j'ai plus d'eau et que j'ai arrêté de chercher un loup, je l'en croise un. Et voilà. Mais tu peux pas. Ça m'en rend. Cette chute était très dangereuse. Ça m'en fout, le karma.
Voilà. Donc là, on va pouvoir prendre du bois bleu. Qui est très très beau. Et même, je vais prendre un peu de sas pour faire des flammes. On va faire des petites lampes torches. En vrai, c'est dingue tout le temps. Ta grand-mère le. Ta grand-mère le prend quoi? Non, ta grand-mère le karma. Est-ce qu'il y a des livres Unbreaking? Unbreaking, ça. Je pense pas. Tu peux avoir un livre à moi. Ah oui, si, oui. Ah oui. Tu peux avoir des livres de tous les enfants. En fait. Je veux un Unbreaking sur mon épée, enfin sur mon armure. J'ai trop donné pour l'avoir. J'ai donné ma santé mentale. Je t'ai dit, il faudrait du mainting pour ton armure. Et oui, parce que je vous ai pas montré, mais le petit livre, je l'ai mis. Du coup, toi, c'est pas rentable. Bah si. Bah non. Quand je vais le transformer en. On sait pas, dans les prochaines mises à jour, ils parlent de pouvoir transformer en gardant les enfantements. C'est ce qu'ils disent tout. On va faire quelques torches avec ça. Bon, est-ce que deux os, ça va suffire? Si, c'est pour faire du feu bleu. Est-ce que deux os, ça suffit pour adopter un chien? Voilà. J'aimerais bien adopter un oslo, mais bon, on peut pas trouver une jungle. Dès que je vais passer mon après-midi à trouver un putain de minerai. Dans ma tête. Pas trop envie de trouver une jungle. Je crois que vraiment c'est Non, vraiment, les bébés piglets ils t'attaquent pas. Si, c'est méga agressif. Non. Dès que tu vois que leurs parents ils attaquent avec eux. Ben, moi là j'étais avec des parents et des petits, j'ai attaqué le père. Et... J'ai attaqué ton père. Ici il y avait pigmen en plus. Ah. Putain, il y a des pigmen ici. J'ai attaqué ton père avec ton cœur. Oui, parce que il faut dire que les pigmen et les piglins sont en aucun cas la même chose. C'est des enculés. Non, pas les pigmen. Les pigmen sont sympas. Les pigmen. Si, ils sont. Non, les pigmen sont sympas. Si, les pigmen sont sympas, c'est vrai. Les pigmen, vraiment, force à vous. Mais par contre, Les pigmen, c'est des motards. Mais c'est pas des pigmen, c'est des. Les pigmen. Pas en France. Ah, je sais pas. Là, j'ai un chien. C'est ton genre français, c'est plus bon que ça. Ok, j'ai un chien. Est-ce que le chien va se TP à moi quand je vais retourner à ma base? Oui, c'est le but. Moi je suis en 63. Tu fais quoi, papa? Pour l'instant, on va. 60. Le bois bleu, comme ça, c'est très sympa. Moi je vais en livre en breaking. Parce que si c'est le cas, c'est un mur. Si elle casse, je crois que tu pètes un peu. Non, en vrai, je suis sûr, elle va casser au bout d'un moment, mais bon, ça a l'air super quand même. Ça a l'air quand même, ouais. Stock. Et en plus, si tu rajoutes un unbreaking, il y a quand même peu de chances que ça pète. Enfin, pas tout de suite, tu vois, ça va pas péter. Oui, pas tout de suite, si on va prendre. Faut que j'aime me refaire une pioche. Right. Donc est-ce que c'est vrai que si tu mets dans le live ça flotte? Oui, ça ne. Je sais pas par contre si ça. Ça la consume. Ah. Mais. Ah. Franchement, j'ai pas envie de tester. Ouais, voilà, c'est le genre de truc que tu testes pas. Franchement, j'ai pas envie de tester. Mais... Il va la lancer dedans, ça va pas marcher. Au pire, je vais le tester en créa. Mais au pire, ça sert à quoi? Et ça sert que si tu meurs dans le nether, bah, ton stuff tombe dans la lave, tu n'as qu'à repasser juste à côté. Oui, mais y'a que ça qui reste. Ça, je sais pas. Bon, par contre, la prochaine fois, je sais pas si je suis une autre pièce ou P. Ou une pioche. Une pioche, ça a l'air rentable en vrai. Est-ce que tu penses qu'une pioche, c'est rentable? Viens le chien. Ouais, j'ai un chien. Les couleurs du nether sont. Je crois que j'ai un name tag. Attends. On va lui donner un name tag quand même. Bon, bâtiment, oui, j'ai un name tag. Il n'est pas très beau, mais bon, j'essaye de.
de le faire uniquement avec des matériaux trouvés dans le désert. Mais t'es dans le désert là ? J'y suis allé. J'appelle comment le chien ? Hippokénas. Y'a pas un chien dans le manga genre ? Hippokénas. Un chien dans. Non, tu vois pas que c'est Hippokénas. Qui ? Hippokénas, ça te dit rien ? Hippokénas. Bélestia. C'est qui ça ? Ah, c'est Bélestia ! C'était le chien. Bienvenue à Hippokénas. Non, c'est bienvenu à. Non, je veux un chien. Ah, mais je vais l'appeler à Camarou, je suis con. Et là, t'as pas la ref. Non ! C'est vraiment le chien de Naruto. Tu peux dormir ? Est-ce que tu peux dormir ou... Il me manque un seul. Il manque un bloc, je dois retourner. S'il te plaît, donnez-moi un livre Unbreaking. Je demande pas grand chose, un livre Unbreaking. T'as tenté de l'enchaîner en direct ? Non, oui, je l'ai déjà fait. Mais j'avais pris protection. Pourquoi si je prends projectif protection, ça. Je pourrais pas mettre Unbreaking après dessus. C'est pas ça l'histoire ? Bah, il faudra un livre. Déjà, je vais faire un plus pété en fait, je crois. Je peux prendre trop de protection pour les objectifs que j'ai. Oh merde, je suis en train de me faire attaquer. Mais t'es dans les airs là ? Oui, je suis dans les airs. Comme ça, c'est pas du cuir qui me manque. Non mais j'ai des bottes. Je t'ai donné de l'or. Ah. Tu cèdes à son chantage. Ah, chantage. Je lui ai donné de l'or. Et lui il est pas content. Ça doit pas marcher à mon avis. Si ça marche, mais en fait je lui ai pas donné de l'or pur. Je lui ai donné des bottes en or. Je chèle à ton chauchage. Je chèle à ton chauchage. Je chèle à ton chauchage. Je chèle à lui. Ouais, je me tape un d'ailleurs tout seul, ouais. Si tu trouves un major palout dans ce monde de brut, bravo. Je chantage. Je cherche chantage. Je cherche un chauchage. Calme-toi. Je cherche. Maman, toi aussi, tu cherches un chauchage. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Moi non plus. Je cherche un chauchage. C'est une vraie question, ça sert à rien. Je sais pas pourquoi. Ok, donc on a. J'ai pas une explication à tout. Alors. Arrête, tu t'en fous. J'aurais clairement dû venir dans cette forêt, m'installer ici. C'est trop bien. Tu peux faire une maison dans les arbres, trop bien, parce que les arbres sont méga grands. Est-ce que toi aussi tu cherches? Je fais du charcoal. Oh, je vais essayer de faire une bannière stylée. Ça va, il une bannière. Putain. Qu'est-ce que tu peux faire comme bannière? Écoutez bien ce que j'ai dit, ça va, il chaud. Ouais, fermé. Parce que moi je cherche. Une grande tête. Je cherche.
Mais tais-toi! Le gars, c'est pas le sien. And for the Zing Gods. Moi, je sais, Tu peux dire, je cède à ton santa, à ton. Mais c'est méga dur à dire en vrai! C'est comme je suis passé chez Soch. Je cède à ton chantage. Vas-y, dis-le. Je cède à ton chantage. Ouais, tu vois, t'as dit chantage. Non. Ce que je viens de faire ne sert à rien. Simplement parce que là, c'est je mets de la lumière sur de la lumière. Voilà. Non, bon, c'est bon. Moi, je bon, moi, on dort. Bah, je suis pas chez moi, mais quand je te dis dormir, mais je t'ai donné les heures. Et qui t'en donne deux heures, comme ça on a des nouvelles de toi. Quoi. C'est si violent. Ouais. D'ailleurs, je suis choqué. Oh, yes, une épave. Tu sais que j'arrive pas à aller. Attends, c'est une épave qui est juste derrière chez toi. Enfin, qui est pas loin de derrière chez toi. Mais dis pas que. Je tu l'as prise. Putain, il est. Sale chien. Et me dis pas que t'as pris toute la canne autour. Si, si. Putain, mais tu casses. Tu es moche, Antoine. Je t'ai fait une annonce en vidéo sur la. Voilà, Japan Expo. Premier. J'ai sérieux, un gars, il va. Hey, salut, c'est toi le Creeper 13, j'adore. Hey, c'est toi le Creeper 13. Pas vrai. J'aime pas du tout ce que tu fais. Tu sais, il vient me voir, il fait je déteste. Vraiment, je peux pas te voir. Franchement, j'ai juste avoué que ta famille brûle. Mais c'est ça, il est ultra violent. Yes, c'est sympa. Yes, là, tu fais... merci en tout cas. Merci, merci mec. Franchement, je déteste votre série, mais continuez. Continuez, au moins, quand j'ai rien à faire, ben c'est même pas cool de la regarder, en fait. Non, eh, franchement, je peux pas mourir. Pas. Non. Alors, j'ai un cancer. Franchement, vous m'avez pas aidé avec vidéo. Non, arrête. Cette blague est horrible. Si vous pouvez appeler ça une blague. Mais attendez, ouais, bah... mais on a vu déjà sur les 30 minutes là. Déjà ? C'est incroyable, putain. On est à 27 minutes. 27 putain de. Bon, et du coup, on va pas faire la base. Hein. On a déjà fait cette petite pièce. Bah, ça sera dans l'épisode prochain. Qu'on va tourner pas mal. Bon, alors attendez. Déjà, on va tourner maintenant. Non, on va pas le tourner. On va tourner. Maintenant. Pourquoi ? Parce que là on va faire une pause, parce que ça fait quand même pour 4 heures qu'on se donne ça. Mais on s'en fout, on tryhard notre vie. Ah oh, putain de creeper de merde. Tu vois, au lieu de tryhard Minecraft, bah, au moins moi je tryhard mais. Ah ben merde, ça marche pas. Je veux dire, au moins je tryhard pas Minecraft. Putain mais. Perfect. Je vais encore une après. Je vais aller jouer à un autre jeu. Alors, moi je pense que je vais encore farmer. Non, mais toi, je sais que tu vas farmer jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu sais que le gars il en a jamais marre. Dis-le, toi, tu vas farmer jusqu'à ce que. Qu'est-ce qui est derrière qui te demande d'aller manger. Mais gros, je sais. Mais en fait, le problème c'est que là, je sais plus quoi faire. Ah bah peut-être que tu vas arrêter, hein. Allez Jomis, on arrête, on tremble pas, on arrête. Non, non, mais pas, non, mais vraiment, genre, même si je me recoute demain, je sais pas quoi faire. Le problème, c'est que j'ai tout fait. Pas trouvé à ta place, en fait. J'ai tout fait. Je sais pas, tu fais des spawners, des systèmes redstone incroyables. Mais j'ai fait un bavis, se place. Tu me demandes de faire un spawner. Ouais. Attends, comment on peut le prendre? Oh, je vais faire une usine à pêche. Pas trop. Oh.
vraiment très chiant à faire. Je me pêche. Ouais, attendez. Ça a l'air. J'ai jamais fait de scénario de ma vie. C'est vraiment très chiant à faire. Ah, si, un jour, un distributeur. Waouh. Jean-Louis, tu m'impressionnes toujours. T'as vu ça? M'impressionnera toujours. Bon, on a atteint les 30 minutes, c'est incroyable. Bon, bah, du coup, on va s'arrêter là pour ce troisième épisode de Toxic Cream. Bah, sur ce, c'était le Creeper 13 en compagnie de Jorius. Ciao! I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright.